Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de L'œil dans le rétro et avec Universal Monsters, l'ultime épisode sur les Universal Monsters, puisqu'après il n'y en a plus, je crois. Hein. Bonjour Fabien, comment vas-tu ? Ben, au poil, j'ai envie de dire, oui. Romain. Et ben voilà, dernière créature, dernier Universal Monster, le loup-garou. Le loup-garou, et donc rien à voir avec le chanteur. Je vais faire cette chanson. Allez, boum. Ouais, boum. Et donc, donc le loup-garou, qui est quand même un des personnages les plus célèbres de la Universal Monster, en tout cas iconique visuellement, avec ce maquillage, on va reparler. Et vous allez voir, l'Universal Monsters Loup-Garou a une vie un peu compliquée, puisqu'il y a la franchise très connue qu'on appelle Wolfman. Franchise Wolfman. Voilà, avec Lon Chaney Jr. qui va jouer le personnage. Mais juste avant, il y avait déjà une première tentative et il y a eu quelques spin-offs un petit peu autres. Et ça commence avec le Loup-Garou de Londres. En fait, Werewolf of London, donc le monstre de Londres à l'époque, c'était sorti sous ce titre-là, qui est sorti chez les Femmes Films d'ailleurs, en DVD et en Blu-ray, puisqu'on continue justement les sorties des Femmes Films, n'oublions pas. Et ce film-là, c'est un peu le premier test de film de loup-garou, puisque on n'est pas encore dans les fondamentaux du mythe tels que nous on les connaît aujourd'hui. Non, en fait, dans ce film-là, c'est un scientifique type un peu Dr. Jekyll qui se rend au Tibet pour trouver une fleur, la Marifaisa, ça s'appelle. C'est ça. Une fleur qui a des vertus spécifiques. En fait, elle pousse sous la luminosité de la pleine lune, en fait. Et donc, pendant son voyage au Tibet, il est attaqué par une créature velue. Alors, certains vont dire que c'est un Yeti, alors qu'en fait, c'est une espèce de loup-garou. Et donc, il est mordu. Et lorsqu'il rentre chez lui, donc à Londres, avec la fameuse fleur, les soirs de pleine lune, il commence à se transformer lui-même en loup-garou. Donc, le docteur. J'ai oublié son nom, le nom de cette fille. Bon, bref. Docteur Glendon. D'accord. Et il est approché par un scientifique mystérieux. Et il tue des gens. Il tue des femmes. Voilà. Le docteur, donc c'est le docteur Yogami qui lui dit que le meilleur moyen de se sauver, c'est d'utiliser cette fameuse fleur qui contient des agents guérisseurs. Et c'est vrai que c'était un film qui est un petit peu bizarre parce que il est sorti quelques semaines avant La fiancée de Frankenstein et on sent que Universal n'a pas mis le paquet sur ce film-là. Ils n'étaient pas encore conscience de la franchise et de la portée du mythe de leur film. Quoi. C'était pas adapté d'un bouquin, c'était un personnage qu'il fallait en gros créer de toutes pièces pour le cinéma. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée d'un loup-garou mythologique à la plante, au Tibet. C'est ça. C'est un truc qui va revenir après, mais on est plus dans quelque chose de scientifique. Ça reviendra plus tard. On est plus dans quelque chose de scientifique, presque dans l'approche, que dans quelque chose de fondamentalement folklorique, en fait. Même si le folklore est abordé. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup aussi à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, limite plus que le mythe du loup-garou, puisque vous avez vraiment ce scientifique qui devient une sorte de meurtrier à certains moments, qui dédouble sa personnalité. Puis vous avez ces scènes où, au fur et à mesure, quand il se rend compte qu'il devient un meurtrier, il va partir dans un hôtel miteux, se mettre dans une chambre. Donc il y a vraiment ce côté scientifique qui commence à devenir un peu s'isoler. C'est une espèce de Mr. Hyde, en fait, qu'un vrai loup-garou. Oui, parce que le maquillage du loup-garou n'est pas encore ultra bestial. Non. C'est encore, il a un peu des poils et tout, mais il a une transformation. Il utilise sa cape pour cacher une partie de son visage. Bien sûr. On dirait plus une version poilu de Jack l'Éventreur, en fait, ou de Mr. Hyde. C'est ça, et on combine un peu aussi l'homme invisible, parce que comme dans l'homme invisible, effectivement, il va s'isoler dans une auberge pour qu'il soit tout seul. Donc c'est un film qui mange un peu, qui croque un peu de partout, quoi, sans trouver sa véritable identité.
effectivement, les séquences où il attaque les jeunes femmes dans la rue, bah, tu penses effectivement à Jack l'Éventreur, tout ça. Ouais, et puis il Donc, se cache derrière un pot, enfin, voilà. derrière un mur, enfin, c'est Enfin, vraiment. on reste dans quelque chose de très gaslight, London Oui, gaslight, tu oui. vois, fin 19e. Bon, après, il y a quelques séquences intéressantes. Je pense à sa première transformation où il passe devant une série Oui. de pylônes. Il se transforme, Et c'est beau ça. à chaque passage de pylône, en fait, il y a une étape du maquillage qui se Qui met se en fait, oui. place. C'est une séquence qui devait être assez complexe à réaliser, qui du coup est assez réussie. On sent que c'est un film de série B parce qu'il y a des musiques qui viennent d'autres films. Déjà, il me semble qu'il y a des trucs qui viennent de L'Homme Invisible, peut-être. Il y a un côté un peu plus film de rebondissement. Je ne sais pas, un très grand film. Mais il est pas, mais il est sympa. Mais il est Il est sympa. sympa, Il est sympa. notamment parce qu'il dérive un peu. Mais voilà, après, il va avoir un Wolfman qui va arriver, donc le premier film. Et là, c'est vraiment le début de la création du mythe du loup-garou et avec des éléments qui vont être réutilisés à foison dans à peu près toutes les créations futures sur les loups-garous. C'est un grand film, c'est un film qui va littéralement lancer le cycle universal pendant les années 40, qui va relancer le cycle en fait, puisque cette fois ils arrivent avec un monstre complètement original, ils créent une mythologie spéciale pour le personnage Oui, même le de Barry dessin du Talbot. loup-garou devient iconique. Parce Bien que sûr. vous avez cet homme qui parle. Alors, on n'est pas encore dans le loup-garou de Londres, mais la version John Landis, où vous avez carrément une bête. Là, maintenant, là, on est encore chez quelqu'un qui est encore très humain. Mais bon, après, c'est Lon Chaney Jr. qui est déjà très imposant, très carré, un Ouais, peu gros un et peu tout. bourru quand même aussi. Voilà. Et donc, du coup, il a juste cette transformation de loup-garou avec les grands cheveux et la barbe, etc. Et surtout les très grosses mains griffées, avec les griffes et Les le grosses poilu. pattes aussi. Enfin, les grosses pattes. Et. Voilà, on a cette version-là qui va être utilisée et refaite jusqu'à la caricature pendant des années, quoi. Mais c'est quand même un des aboutissements du maquilleur Jack de Pierce. Jack Pierce, quoi. Jack C'est Pierce, tout à vraiment. fait. Non, moi je trouve que ce film, je l'ai vu, mais un nombre On incalculable va de pas fois. raconter l'histoire juste pour peut-être raconter Bah en vite fait, fait c'est l'histoire. le personnage de Larry Talbot, donc, qui est un mécanicien qui vivait aux États-Unis, revient en Angleterre après la mort de son frère. Et du coup, il vient tenir compagnie à Dans son. un petit Ouais, village un où petit village, ouais. c'est un peu le riche seigneur qui est en haut du Ex village, ex enfin dans un ex château. exactement, c'est une famille d'Aristo. Et donc, il vient revoir son père qui est joué par Claude Rains, donc l'homme invisible. Et là, ben, un soir, alors qu'il se balade avec une jeune femme, il est mordu par un loup-garou. Et Un donc, loup-garou qui est incarné par Bela Lugosi. Bela Lugosi, qui a un tout petit rôle, mais Et un donc, rôle super important. et oui, il faut dire que ce loup-garou, ce Bela Lugosi, il vient d'un groupe De gitans. de Tziganes, Oui, enfin, c'est des oui, tziganes. et la mythologie Tzigane des loups-garous, c'est-à-dire ces fameux loups-garous qui en fait sont des gitans, des Tziganes, etc. Ça, c'est un truc, je sais pas s'il le crée toute pièce, mais ça va être le début de cette mythologie où on lit le côté Tzigane, le côté vagabond en fait, au mythe du loup-garou, Kurt quoi. Sodmak a inventé totalement la mythologie, tu vois, dans le film. Que ça soit la fameuse prière qu'il récite régulièrement, Mais ça, c'est important, cette culture tzigane voilà, liée au loup-garou, même quoi. un homme pur qui dit ses prières le soir, voilà, il y a tout ça, la culture de la symbolique de l'argent aussi, les balles en argent, les canons en argent, tout ça. Moi, je trouve que c'est un très très beau film parce que c'est un Il monde est beau, évidemment. c'est un film qui est très soigné, qui Scène dans avait. la forêt, ils sont quasiment. Enfin, c'est ultra découpé avec la fumée, tout ça. Et voilà, et puis les acteurs sont tous excellents, Claude Rains, c'est génial. Il y avait à un moment donné une version du scénario qui était beaucoup plus implicite en fait. À un moment donné, il était question que tout le film laisse un voile de mystère sur Qui était. non, est-ce que Larry Talbot se transforme vraiment en loup-garou ou est-ce Ah qu'il oui. imagine ça dans sa tête et tout? Et c'est vrai qu'ils ont préféré opter pour la solution beaucoup plus directe, qui est efficace parce que finalement c'est un personnage de mec un peu damné, qui est très sympathique et qui d'un coup. Oui, c'est un mec bourru, un peu naïf, Voilà, un qui est peu. sympa, qui est sympa, Il est mais. aristo, mais en fait, il fait plus Ah bah, mais t'es. prolétaire Ah bah oui, qu'aristo, quoi. c'est un prolo. Bah, d'ailleurs, Mais ça avait. prolétaire américain, quoi. Enfin, Ouais, et du coup, donc ça du coup, avait. dans la culture anglaise, c'est pas Bah, pareil. ils avaient réécrit le personnage à l'époque pour que ça corresponde à Lon Chaney Jr. Parce que le scénariste, il disait, mais vous imaginez vraiment Lon Chaney Jr. en fils de lord anglais, c'est juste le Ouais. truc le plus improbable du monde. Et du coup, il s'en tire quand même assez bien. C'est pas encore un film qui va imposer, on va dire, tous les clichés du genre. On n'a pas le plan sur la pleine lune, on n'a pas le plan sur le visage en train de se transformer. On joue plutôt sur une notion de suspense, surtout les pattes et les griffes
qui se transforme. Très très belle musique qui a été faite par trois compositeurs. Et d'ailleurs, on entend des motifs du score de The Wolfman dans la musique de Danny Elfman pour Batman. Des trucs très très subtils, mais très très joli film, un des films les plus importants en ce qui concerne les Un films de des films les plus loup-garou. tragiques, parce que c'est vraiment la figure de Lon Chaney Jr. C'est carrément Hulk, hein. Oui, C'est voilà. vraiment le vagabond maudit, quoi. C'est un mec qui Et erre avec sa malédiction, en fait. voilà. Et la fin est assez violente, spoiler, mais bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est sorti, donc ça va. Il meurt, il se fait tuer par son Par son père, père, c'est le ouais. père qui tue Donc c'est le vraiment une fils. fin tragique, parce que le film n'était pas forcément donné une suite. Ils vont en donner une avec Wolfman, enfin le Enfin, loup-garou rencontre Frankenstein, Frankenstein rencontre le loup-garou. rencontre le loup-garou, donc Frankenstein meets the Wolfman. Et là où c'est assez intéressant, puisque la suite se passe mais un siècle plus tard. Non, 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 ça se non, je sais passe, pas. je crois, 20 ans Ah, après, peut-être, oui. je crois que c'est soit Non, c'est. mais J'avais l'impression que ça se bien passait. après. Bon, après, les chronologies Oui, sont un peu étranges. la continuité, c'est pas le fort des films universels, Oui, hein. parce que des fois, ça montre que ça se passe au 19e, puis Oui. ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est censé être mort, et en fait, il est ressuscité par deux pilleurs de tombes, plusieurs des décennies plus tard. Et en fait, il est ressuscité parce qu'en fait, il se rend compte que la malédiction fait qu'en tant que loup-garou, il ne peut pas mourir. Bah, en fait, il est enterré avec de l'aconite, Oui, voilà. de l'herbe à loup-garou. Et en gros, quand il lui retire on va dire, tout son apparat d'aconite, il ressuscite. Il est ressuscité par ça et les rayons de la pleine lune, en Ouais. fait. Et cette séquence d'ouverture dans le cimetière, elle est absolument démente. Elle est vraiment, vraiment fabuleuse. Parce qu'il y a vraiment une mise en scène, un mouvement de caméra qui est assez dingue. Il y a une scénographie de l'horreur qui est extrêmement réussie. Et Et c'est là que ça va commencer le Lon Chaney, enfin le parcours le d'errance parcours de d'errance Larry du Talbot, personnage. quoi. Il faut savoir un truc, c'est que le premier film a été réalisé par George Wagner, qui était producteur pour la Universal à cette époque, il a fait quelques films. Et celui-là, le deuxième, il est réalisé par Roy William Neal, qui était un réalisateur, je crois, irlandais, il me semble, qui avait fait des Sherlock Holmes à l'époque avec Basil Rathbone. Donc c'est un mec qui était assez virtuose avec sa caméra et qui proposait des trucs assez dingues. Là, c'est vrai que la mise en scène, elle est un peu différente parce qu'elle. C'est la caméra qui est très mobile, qui parcourt les décors, il y a beaucoup de contre-plongées sur les personnages. Et c'est vrai que dans ce film-là, Larry Talbot, c'est la figure tragique parce qu'il dit dès le début, tiens, je suis ressuscité, j'ai cette malédiction, je veux mourir. Je veux Oui. mourir. En gros, la seule façon Son but, ça va être de trouver de un moyen de mourir. mourir définitivement, en Voilà, c'est fait. ça. Et du coup, il va faire appel à un scientifique. Enfin, il va Il avoir un. Il recontacte va. la gitane, donc la Oui, mère de au Bela début, qui lui dit t'es dans la Lugosi. merde. Bon, Voilà. grosso modo. Et après, il va aller voir un hôpital. Il lui dit je suis un loup-garou. Et là, ils vont lui dire ouais, bien sûr, monsieur. Mais finalement, il se transforme. Et il dit, ah oui, c'est vrai. Et du coup, parce qu'il y a quand même Frankenstein dans le titre, il va entendre parler de Frankenstein et du savant, du docteur, et il va se dire qu'il y a peut-être, il faut peut-être qu'il rencontre, enfin, je sais pas s'il veut rencontrer Frankenstein ou s'il va rencontrer les descendants, mais en tout cas, L'héritier. voilà, parce qu'il a entendu que c'était peut-être lui, enfin eux, qui auraient la solution pour Le secret de la vie et de la voilà, le mort. secret de la vie et de la mort. Et du coup, il va partir je sais plus où. Vassaria, donc un Voilà. pays imaginaire qui va devenir en gros Le pays de. la home des monstres C'est ça, le pays de universels. Frankenstein, quoi. Et il va rencontrer la petite fille ou la fille, je ne sais plus. Si c'est le bordel. La Enfin, un descendant, une descendante petite fille du baron, en du fait. baron Frankenstein. Et donc, il va retrouver la ville de Frankenstein où ils sont un peu tous fous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit problème, ils sortent Les les pelles et flambeaux, on bute les tout. pelles et ils veulent tout buter, quoi. Genre, c'est. Là, il n'y a même plus d'autorité, il n'y a même plus de bourgmestre. Là, en gros, Ouais. le mec qui fait autorité, c'est le barman du Oui. coin qui en peut plus. Et Et ils sortent à chaque fois, ils ont l'impression qu'ils sortent les pelles pour n'importe pour n'importe quoi, quoi. dès qu'ils ont un doute. C'est un beau film, hein. Ah oui. Bah en fait, c'est un film qui est très très bon jusqu'à. Parce que le croisement entre Frankenstein et le loup-garou est plus intéressant que ceux d'après, je trouve. Parce que là, le croisement marche bien, c'est-à-dire que c'est assez logique. Et finalement, ça fonctionne bien. C'est-à-dire quand il arrive et qu'il veut rencontrer. Parce qu'évidemment, la créature de Frankenstein va ressusciter elle aussi. Et le loup-garou va essayer de l'utiliser, en fait. Oui, en fait, en plus, il y a eu pas mal de soucis de production, Voilà, par puisque. contre, et c'est là où en fait sa mère, c'est la dernière Ouais, c'est partie ça. où il rencontre la créature qui est jouée par Bela Lugosi, Ouais, tout à fait. et il rencontre donc la créature de Frankenstein, et il essaye de l'utiliser, etc. Et là, ça flotte un peu, alors que toute la partie d'avant
était vraiment bien, était fluide, quoi. Ouais. C'était très bizarre. En fait, ça flotte parce que Bela Lugosi avait beaucoup de scènes dialoguées. Parce qu'à la fin du film, le film d'avant, Le Spectre de Frankenstein, la créature devenait aveugle et parlait parce qu'elle avait le cerveau d'Igor, qui était joué par Lugosi. Donc, du coup, il y avait pas mal de séquences dialoguées qui ont été coupées. Tout le dialogue de Lugosi a été coupé. D'ailleurs, vous avez des plans dans le Où film on le voit parler, où on vous n'entend voyez, pas. où vous le voyez parler, ses lèvres bougent, mais, enfin, ses lèvres bougent, mais il n'y a pas de son qui en sort. Voilà, donc ça fait que le film devient un peu plus déséquilibré dans sa deuxième partie. Bon, le final, le combat entre les deux monstres, il est un peu expédié, il n'est pas Oui, puis très, en fait, très réussi. le fameux savant qui est très gentil et qui accompagne, c'est le Oui. savant gentil qui l'accompagne, Docteur Frank voilà, et au Manoring. début il est très gentil, puis je sais pas, dans les 10 dernières minutes, Il pète les il plombs. pète les plombs, Il il dit, pète. ouais, je vais créer la vie, la mort, c'est génial, puis d'un coup il devient fou, quoi. Ouais, il dit, ouais, il n'y a pas de raison, je veux pas tuer ces deux créatures, il faut que je les voie à leur full potential. Alors, c'est vrai que par contre, autant le combat n'est pas très utile, mais la scénographie est très belle. Ça se passe dans un château près d'un barrage, et les villageois font péter le barrage. Ça change parce qu'en général, ça finit dans un incendie, tout ça. Et là, en général, c'est plutôt l'eau qui vient Ouais, qui vient. engloutir tous ces personnages. Non, non, moi, c'est un film que j'aime bien. Pas parfait, Non. mais c'est intéressant. À un moment donné, une séquence de chant. On a une espèce de mec tyrolien qui Oui. fait le tour du village en chantant. C'est un petit moment de break comme ça, où on est encore dans la perspective du personnage du Wolfman, qui n'est pas inintéressant, mais moi c'est un film que j'aime bien. Visuellement, je le trouve somptueux, c'est un des Oui, plus par contre, visuellement, beaux. il est très beau. Il est très très beau, très très On beau va faire film. un genre un film juste sur les villages de ces Ah films qui sont tellement devenus fous et ouais. que qui s'en dépêlent à chaque Il fois. faudrait faire ça. Mais Alors, ouais. dans le Dark Universe, ils vont sûrement faire le Agent of Shield des Oui, films de villageois. série télé que sur les villageois Voilà. qui butent tous les jours. Ils ont quelqu'un qui se fait Voilà. mordre par une. Toutes les filles du village sont toujours C'est ça. mordre par des vampires. Je Il y a pense que toujours j'appellerais des. ça le bourgmestre, quoi, Oui, parce moi que ce serait aussi. du point de vue du Moi, je voulais sur bourgmestre. la taverne, moi. Moi, je La pensais à un taverne. film où les mecs. Où des mecs deviennent propriétaires d'une C'est taverne. ça. Une taverne en. Voilà, toujours dans ces Ah, endroits-là, la comme je suis Saria. là. Bref, et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a les House et les. Oui, ensuite, on a le film House of Frankenstein. Donc, on a cette fois. C'est le début des multivers, des Avengers, Ouais, hein, voilà, on n'a on rien va dire inventé, ça. hein. Je veux dire, même à l'époque, on avait déjà un film avec Dracula, Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, un savant fou. Non, il n'y a pas l'homme invisible, mais Non. non, non, il y a. Attends, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, un bossu et un savant fou. Donc, en gros, on a concrètement que trois monstres, on va dire. Et là, Larry Talbot survit à ce qui lui arrive dans le film d'avant. Il est réveillé par le savant fou Dr. Nivan, qui est joué par Boris Karloff. Il est emprisonné dans la glace et c'est toujours pareil, je veux mourir, trouver un truc pour me faire crever, tout ça. Et puis, bon, il tombe amoureux d'une petite tzigane, une petite gitane. Et on dit dans l'histoire que le loup-garou ne peut être tué que par une personne qu'il aime, en fait. Et donc, à la fin, elle lui tire une balle dans l'argent, en plein cœur. Et il meurt, et entre-temps, il a le temps quand même de la tuer elle aussi. Donc, c'est un truc un peu tragique. Il y a une très bonne interaction. En fait, c'est un triangle amoureux. Il y a lui, le bossu qui est amoureux de la tzigane, mais elle l'aime pas. Et du coup, enfin, ça donne une espèce de triangle amoureux un peu tragique. Ça aurait très bien pu se terminer là pour le Wolfman. Mais non. Mais il revient dans le film suivant, donc le House of Dracula, où on oublie complètement sa mort. Oui, là, ils combattent, Il quoi. est là, quoi. Et finalement, encore une fois, il veut mourir et il demande à un scientifique de le soigner. Et le scientifique lui dit, en gros, vous avez juste un problème de glande dans votre cerveau qui provoque la lycanthropie. Et il le transforme, il le guérit, Et je il le crois. guérit, il le Il sort en. de sa malédiction. Mais il y a une séquence, il y a deux séquences très belles dans ce film. Il y a la séquence où Talbot est trouvé enfin, on le découvre en prison. Et les flics, ils lui disent, ah, mais vous déconnez, vous transformez pas en loup-garou. Et il se transforme en loup-garou devant eux dans la cellule Ouais, et il se met à en péter se les tenant plombs. les barreaux, Voilà, il y a forcément. ça, il y a la scène où on voit la lune, où le Talbot voit la lune comme ça. On voit pas la Non, lune non, 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 de l'enchaîné, je veux dire, non, parce que. non, non, ouais, non, mais bon, on voit la lune arriver comme un lever de soleil, là c'est un lever de lune, et il commence à se transformer, à se toucher le visage, et il voit qu'il ne se transforme pas. Et du coup, on sent que c'est la Ouais. fin de sa malédiction. Donc, on est un peu content pour que le personnage puisse survivre. Sauf que ensuite, il a Abbott et Costello, et là il redevient un loup-garou, je sais pas comment. Ouais. Et là, bon, là c'est marrant parce qu'on est dans la parodie, Ouais, c'est pas vraiment donc dans c'est la Abbott et continuité. Costello rencontrent Frankenstein. Frankenstein, voilà, parce que là il y a encore tous les personnages, mais qui est un, contrairement à l'homme invisible, qui est un des meilleurs Abbott et Costello, parce que celui-là il est vachement plus abouti C'est un super film. que d'autres, notamment parce que visuellement il ressemble vraiment à un film d'horreur, qu'en plus on retrouve Bela Lugosi en Dracula.
que en fait bon, au début ça a été Costello qui travaille à la douane ou un truc comme ça Oui, en fait, ils et acheminent des colis voilà et pour ils les vont acheminer customs. deux gros colis qui en fait sont le cercueil de Dracula et de Frankenstein qui vont se réveiller et va se coller à l'intrigue le loup-garou qui est toujours en train de vagabonder Là, le loup-garou qui était à la recherche de Dracula, en fait, ouais. pour le confondre. Mais Mais non. ce qui est drôle, c'est qu'il du coup, Abbott Costello joue un peu sur le côté un peu pitoyable et tout le temps triste De Talbot, de ouais. Talbot qui est là, qui arrive toujours triste, ah, vous savez, je vais pas bien et tout. Et du coup, c'est Ils se foutent marrant parce qu'il de se fout un peu de lui. sa gueule, ouais. Ils disent, ouais, putain, ce soir, C'est bon, je vais quoi. me transformer en loup. Ouais, mais nous aussi, t'inquiète et tout. Ils se foutent de lui. Mais bon, il joue aussi un peu sur la lenteur du personnage. Tu vois, à Oui, un moment donné, il y a une voilà, sur le séquence côté. Il joue sur son jeu, en fait. sur Costello qui va dans sa chambre et il chope une orange et l'autre n'arrive pas à le choper derrière. C'est assez drôle. Mais ce film-là, il est très très beau parce que je le trouve meilleur que les crossovers sérieux. Déjà, ça fait plaisir de voir Lugosi en Dracula qui est fabuleux, Lugosi dans ce film-là, parce qu'il a une espèce de timing comique qui est vraiment très très réussi. Lon Chaney est très bien, il fait le boulot. Le maquillage, c'est le même, mais il est légèrement différent en termes de matière utilisée parce que c'est plus Jack Pierce Qui fait qui les faisait le ouais. maquillage, je crois que c'était Bud Westmore, il était remplacé par Bud Westmore. Donc on sent que les matières qu'ils utilisent sont plus vraiment les mêmes. C'est un film génial, c'est un super Ouais, puis film. l'intrigue de fin avec où il réunit. En fait, c'est contrairement à d'autres comme les House of Frankenstein, etc. Là, ils croisent vraiment tous en fait. À la fin, ils sont vraiment tous là. Enfin, il y a Ah vraiment oui, ils sont tous à la là. fin, il y a vraiment les trois enfin, qui sont là et l'intrigue se justifie quoi parce qu'il y a une sous-intrigue de qui veulent utiliser. Je sais plus si c'est Abbott ou Costello qui veulent Ils veulent utiliser, en fait, utiliser son corps et transférer ils son veulent cerveau. transférer le cerveau de Costello pour que la créature de Frankenstein soit docile, en fait. Oui, c'est C'est ça. tout, c'est bête Ouais, comme tout, con. mais ça donne lieu à des situations assez intéressantes. Mais ouais, c'est un des meilleurs. Il est plus abouti que effectivement certains autres qui sont sérieux, en Ouais, fait. ouais. C'est ça qui est Il y a un étonnant. très beau décor du château de Dracula sur cette petite île et tout. C'est un très joli film. Entre-temps, ils avaient fait un autre film qui s'appelait She-Wolf of London, Ouais, qui est encore un spin-off, qui est mais. un film à suspense qui joue sur le mythe du loup-garou alors qu'il n'y a pas de loup-garou Non, il est dans le pas très. film. Il est assez chiant celui-là. C'est un film assez anecdotique qui est sorti aussi chez Elephant, Ils justement. sont tous sortis, hein, Ouais, il faut tout au sortir, mais final, ce mais. film-là, il n'est pas très. Pas très intéressant, on joue sur une espèce de thriller psychologique en fait, mais qui est pas très réussi au final, puisque bon, nous, ce qu'on a envie de voir, c'est un loup-garou Ouais, et pas forcément, excusez-moi, pas une intrigue pas une intrigue un de peu suspense, de un policière, peu nébuleuse. un peu vite fait, quoi, Ouais, en plus. voilà, sauf que le film est assez court, il doit faire Ouais. 1h05, 1h10, les films qui sont assez courts. Celui-là, je ne le recommande pas particulièrement, Non. quoi, parce que il n'a ni la force d'une bonne intrigue policière et ni l'esthétique soignée de ce qu'on pouvait voir dans les années 30-40, même si le film a été fait en 46. On sent que Ça a été fait un peu vite, quoi, je il est pense que juste, c'est il est bon, juste pour juste capitaliser sur le nom, voilà, il est juste She-Wolf, quoi. un peu emballé, Ouais. à la limite, écouter la chanson She Wolf de Shakira. Oui, Voilà. voilà. Oui, regardez Hurlement aussi, Oui, de Grand voilà, Rire, la regardez femme loup-garou. l'hurlement de Joe Dante et le loup-garou de Londres de John Landis. Voilà. Et puis après, effectivement, bah, ça a été terminé pour les loups-garous Ouais, de Universal. Enfin, après, il y a eu toujours eu des tentatives de en ce qui concerne faire. Universal, on a eu un loup-garou un peu pathétique dans le Van Helsing de Stephen Sommers. Oui, Je sais pas voilà, mais à chaque fois, il pourquoi. y a eu des tentatives de reboot qui n'ont jamais Il y marché. a Il y eu a eu le ça. Wolfman de Ou de Benicio del Jude. Toro. Ouais, alors ça aussi qui était un film un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de soucis de production sur ce film-là. Moi, c'est un film que je n'aime pas du tout malgré son esthétique super soignée. C'est très gênant parce qu'il y a beaucoup de. Il y a eu effectivement Van Helsing qui était la tentative vraiment de Ouais. reboot de toute la série qui s'est avérée être très très mauvaise. Il y a cette tentative de Wolfman qui n'a pas marché. Et du Oui, coup, et puis. maintenant il y a le Dark Web, enfin ce qu'ils appellent le Dark Dark Web. Web. Dark, non, Non, Dark Universe. le Dark Web, ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Ouais, le Dark Universe avec donc la tentative de revitaliser, de C'est ça. réinstaurer à nouveau des reboots. Sauf que là, il n'y a pas de Wolfman. Hein, Pas encore. ils n'ont pas encore Et visiblement, dernière lancé. nouvelle, ils avaient dit que ce serait The Rock qui jouerait le loup-garou. Mais alors j'imagine un peu le truc. Hein. T'imagines, c'est un peu n'importe Ouais, quoi. pourquoi pas, Mais mais. non, le Wolfman de Joe Johnston, il faudra que je voie sa version longue parce qu'il y a une version longue de 2 heures. Parce que le film sale durait 1h35. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même 25 minutes qui ont été coupées. Moi j'aimerais voir cette version longue parce que effectivement moi c'était l'intrigue globale que j'avais trouvée assez faible parce que visuellement c'était quand même somptueux quoi. Visuellement c'était quand même un bijou, il y avait quand même, les comédiens étaient quand même assez excellents. Mais bon ça dénaturait un peu le mythe de base quoi. Mais bon, pourquoi pas.
Ouais, bon, bah, à voir pour la suite, hein. Là, j'ai un peu le. On est, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on termine ce cycle au moment où ils annoncent cet univers partagé Ouais. qui est censé revitaliser. D'ailleurs, ils ont sorti une bande-annonce où ils ont justement repris tous ces films de la Universal en montage un peu pour montrer qu'ils allaient arriver. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des acteurs très importants qui sont attachés à Ouais, ce. on a un line-up, donc on a la momie qui sort cet été, on a le Avec fi Tom Cruise. avec Tom Cruise et Russell Crowe en Dr. Jekyll quand même. Ouais. On a donc Le la fiancée fiancé de Frankenstein Frankenstein qui est réalisée annoncé. par Bill Condon. Ouais, déjà là c'est pas super. Pour l'instant les réels sont quand même pas Bah, kiffants. Bill Condon, il avait fait le film Gods and Monsters, donc la biographie de James Whale, donc c'est pour ça qu'il réalise ce film. Et vu que La Belle et la Bête a cartonné, donc Et le là c'est mec, Javier Bardem qui va faire le monstre. le monstre. Et on a un Et film d'homme invisible avec Johnny Depp. Johnny Depp. Ça veut dire encore une fois que le Frankenstein de Guillermo del Toro, il va être squeezé. Oui, non, là il y a clairement. Mais moi ce qui m'étonne dans ces annonces, c'est le parterre d'acteurs Ah, confirmés c'est un truc de fou. qu'ont jamais C'est un truc de fou. que il y a 10 ans tu aurais jamais pu les faire Bah jouer non, ah bah ensemble non, bah tellement ça non. aurait coûté trop d'argent et que enfin tu imagines juste Johnny Depp et Tom Cruise dans le même film Bah ouais. il y a 10 ans ça aurait été fou quoi et là maintenant ils font des univers partagés où ils vont prendre jouer 5 minutes dans l'un et 5 minutes Hein, dans l'autre ça va être ça. c'est je sais pas s'il faut être content ou triste en fait c'est un Moi, peu je vais prendre un peu les films les uns après les autres. bah, tu vois on va voir la momie qui sort en juin on en parlera La momie, je sûrement vais y aller avec mon petit pop-corn et on verra bien ce que ça donne. On va voir, mais alors, ce qui est, alors par contre, la différence par rapport aux anciennes tentatives, c'est que là, ils veulent faire une version moderne. Il n'y Ouais, a pas de. Y a pas, contemporaine. ouais, y a, alors, je ne sais pas si la fiancée Frankenstein sera contemporain, mais de ce que j'entends, c'est vraiment une envie de faire des films contemporains. Bien sûr. Donc, du coup, on oublie le côté victorien, le côté gothique, on est dans la. Dans la. Dans le. Ouais, dans le truc un peu. Oui, dans Film le d'action, film surtout. d'action avec des monstres, Ouais. quoi. On va voir. On va voir, mais bon, c'est clair que ça change de ce qui se faisait avant, en tout cas. Après, ce qui serait bien, bon, je peux rêver, mais faire des versions PG-13 pour les sorties et faire pour les Blu-ray des versions un peu plus horrifiques avec un peu plus de sang et tout ça, ce serait un peu pas mal. Parce que c'est vrai que la momie, ça a l'air d'être un truc assez gigantesque en En termes termes d'effets spéciaux et tout, d'effets ouais. spéciaux et tout ça. Donc j'ai peur qu'on perde le côté horrifique, même si on a l'air quand même d'avoir quelques séquences un peu flippantes. Et je suis très curieux de voir l'implication de Tom Cruise là-dedans. Est-ce que ça va être lui le personnage, Le héros le principal héros de tous ces principal, quoi? Et épisodes. comment est-ce qu'il va linker tous ces personnages ensemble? Je sais pas, on va voir. Mais en plus, ici, pourquoi ils vont faire un groupe de super-héros à la fin, c'est Bah, quoi le je pense que délire? le but, c'est de faire une espèce de Monster Squad. Donc c'est un groupe. Bah ouais, je pense. Parce que ça n'a jamais été le cas dans les multiverses de la Universal, ça a Bah toujours non, été non, mais des. après Dracula Untold devait être l'amorce de tout ça, mais vu que le Oui, film ça a s'est été planté, squeezé, donc il n'y a pas il... Dracula non Non, non, plus. non. Mais c'est marrant, c'est qu'encore une fois, pour Universal, la franchise qui va tout déterminer, ça va être la momie. Ce qui est quand même. Ouais. Ce qui est risqué, mais bon, Voilà, ce qui est risqué. Mais bon, moi, je suis assez. Je trouve que le fait qu'on ait une momie femme, cette fois, ce soit bien. En plus, ils ont pris une super comédienne, donc Sofia Boutella, voilà. Oui, qui est ça c'est vraiment bien. Ouais. excellente. Moi, je lui fais totalement confiance. Elle va sûrement faire un truc très physique et en même temps très impliqué. Voilà. Et je pense que niveau action, ça peut s'annoncer assez sympa. Faut voir. Tom Cruise court, donc Voilà, ça Tom va. Cruise court. Voilà, cette fameuse séquence d'avion, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ok, bah très bien. Et bah écoutez, dites-nous ce que vous pensez de ces nouvelles adaptations, si vous avez votre avis là-dessus. Et évidemment, des loups-garous, des dernières adaptations. On vous conseille surtout du coup la saga Wolfman. Hein. Du coup, Wolfman, Wolfgang von Frankenstein et le Abbott et Costello qui sont quand même parmi les meilleurs aboutissements de la saga. Tout à fait. Et bon, on vous dit à bientôt pour des nouvelles émissions, peut-être une heure rétro. On passera à autre chose. Du coup, on va voir si on fait autre chose, qu'est-ce qu'on fera. On verra, on va réfléchir. On vous dit à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles émissions. Salut! Salut!